Oh, le stun est magnifique. Ok. Attends, mais c'est l'équivalent des moves XXBB, ça, je reconnais. Mirz. Il a dodge le Q, c'est pour ça qu'il a kite plus longtemps. Mais c'est une vraie sauterelle. Mais c'est... regardez, il y a combien de jump. W, flash W, jump, reset, jump out, proler, Q, invisibility, jump out, Q, reset, jump in, auto, invisibility, non même pas, jump out. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Si dash le wall, c'est un monstre. Même moi, j'y arrive pas celui-là. Non, en vrai, sur la fin, tu t'es chié dessus. En fait, là, ce qu'il aurait dû faire, regardez. Là, il touche le Israël, le Keyblade est magnifique. Il go sur... Là, en fait, ce qu'il fait, c'est exactement ça. Ça, et il reste sur le Kog'Maw, en fait. Et il full DPS le Kog'Maw. Mais il a décidé de dash out. Il aurait full DPS le Kog'Maw, il aurait pu clasher sur toi qu'il a Sterink. C'est dommage. Ok, Cassio. Non, j'en reviens pas de ce que tu viens de mettre. J'en reviens pas. C'est le meilleur move qu'on ait vu jusqu'à maintenant. C'est legit le meilleur move. Même les moves d'Irelia, ils rentrent pas dans celui-là. Il lui a fait croire qu'il allait juste revenir avec le W et qu'il allait commencer le fight. Elle s'est fait bait dans l'ulti. Il flash derrière et il ulti instant parce qu'il sait qu'elle va se retourner. Elle est obligée, elle est sous tour. Le level du Sylas, c'est impressionnant. Notre troll, c'est God tier. C'est ultra bien joué. Baril. Ah, mais bien la voix FR de Gangplank. Oh putain, mais attends, mais tu as chié sur le Aatrox là. Et il a quand même failli win. Ah, la game est close, hein. Mais ouais, le Aatrox s'est vraiment fait imploser. Respect. Oh, il est charmé. Ok. Il a Q ignite la Lux et il a auto la ring. Respect, respect, respect. Ok, Yasuo. Ok, Keyblade. Le niveau mécanique. Non, non, eh, le niveau. No troll, en niveau mécanique. Non, non, niveau mécanique est monstrueux. Il joue Fleet Yasuo. EQ, Keyblade, EQ, Wall, EQ flashé, Triumph Abuser. Ah, juste Astro Clean. Notre rôle, c'est Astro Clean. Ok, dodge le bisou. Non, mécaniquement, c'est propre. Mécaniquement, c'est propre. Là, pour le coup, tu vois, on a quasi tout dodge. Non, là, pour le coup, rien à dire. Bon, après t'as loupé ton bisou sur le Taric, mais c'est un détail. Nice dodge. Très beau dodge. Mais... Oh là là! En plus, c'est un shutdown! Non, il a trop de manqué de respect, Z. C'était magnifique. C'était vraiment super bien joué. Non, en vrai, no troll, c'était magnifique. Oh! Bah, elle a un V9. Séraphine. Mais c'est quoi les Séraphines qui ont un V9 des teamfights, là? Seraphine s'appelle Ariana Grande, ça m'est bien. Oh attends, c'est du Elo, hein, c'est V9. C'est du Elo, hein, c'est du Master Mini. Il a parade l'exécution. Auto-flashé. Insane. Ultra bro. Attends, parce que là, en fait, il faut mes... Attends, il me faut mes lunettes de vision microsecondaires. Ok, attendez, je vois le smite, là, attendez, bougez pas. Ouais, ok, j'ai compris, c'est bon. Un bro plus long que la saga Star Wars, ça m'est bien. Oh, ah ouais. Non, tu es un bot, tu es un droïde. T'as mis 4 autos sans bouger et une condamne dans le vide. Tu es un droïde.
Les mecs en face, voilà pourquoi tu manques pas de respect en solo queue. Ne jamais manquer de respect. Même un droïde avec 160 CS en 40 minutes de jeu, en 4-13 peut retourner la game. Là, je comprends mieux pourquoi les gens disent Vayne is broken. Je comprends mieux. Ah! Donc t'as fait du 3524, t'as 38 minutes de jeu, c'est ça? Ça marche, ça marche. Bah ça marche. T'en laisse-moi. Ouais, ça marche, c'est fine. Non, C'est quoi son perso de guitare devant lui? ok, ouais. Voilà, régène du vie. Ok. Tous les shutdowns qui récupèrent Minun. Ok, Minun. Un master. Pardon, il est juste incroyable. Ok? Non, c'est ridicule. C'est Riven, quel champion de fou. Quel champion de fou, là. Mais c'est quoi toutes ces recommandations de mort, là? On dirait que je regarde des trucs de politique, moi. Il a trop bien joué, le Warwick. Oh! Le Warwick a si bien joué. J'en reviens pas. Pour ceux qui n'ont pas compris, Warwick s'est fait enclencher. Il a attendu que la Kata vienne et en fait, il savait qu'elle allait shampooing, tu vois, vu qu'il y avait la dague. Il a Q dessus, il est resté appuyé. Il est resté appuyé. En fait, quand tu restes appuyé sur. Arrête. Quand tu restes appuyé sur le Q, tu le suis quoi qu'il arrive. C'est comme être insensible au CC pendant une seconde. Et du coup, il tank l'ulti de Sion grâce à ça. Il flash pour dodge le Q et récupérer le kill sur la gada. Non, c'était ultra propre. En vrai, c'était ultra propre. Ok. Ok. Bien joué, putain. Attends, quoi? Mais la Lilou est trop forte au jeu. W instant ne peut pas auto la plante. Le Kog'Maw auto la plante parce qu'il a 4 de QI. Voilà. Et la Lilou cancel pour pouvoir profiter de l'état de tempo du Kog'Maw. Bah, GG pour ton boosting, frérot, GG! Le Rakan a bien joué, il l'a vu venir. Le flash était magnifique, il a dodge tous les shurikens de Z par la même occasion. Et le Zonia est absolument pixel, c'était absolument parfaitement joué. Respect, très très propre. T'aurais dû caster le Q pendant la gold card. Je pense. Le flash est phénoménal. Le flash est phénoménal, j'ai pas les mots. Le flash est incroyable. Regardez la gueule du flash. Le flash, il a ratio toute la team adverse. Respect. Notre le respect. Attends, mais t'as raté ton W sur Ezreal qui bouge pas là? Regardez la Vex. Mais où est le Kikor? Fils de Rexma. Mais quelque chose, ça. Ok. Ok, KZH. Ok. Oh, petit pélican. Oh! Non, insane. Propre. Outplayed. Rammus top. Les droites qui met Riven. Il lui a flash que dans la gueule. Il lui a flash Q dans la gueule. Il a level up pendant le fight. Il lui a flash Q dans la gueule. Ça me met très très bien. Oh, aïe 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 aïe. Oh, c'est génial. Bah merci pour ça. C'était grave cool, chat.
Pour le coup, c'était grave cool.